Bonjour, viewer. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Regarder une vidéo récente de Big Gameuski? Bien. Regarder cette preview? Bien. Afficher en plein écran? Donc, filons jeter un œil dans ce The Uncertain post-apo. Donc, futur post-apocalyptique où les robots ont pris une certaine conscience et se sont rendus compte que ces saletés qu'on appelle des humains, c'était rien d'autre que des bactéries qui bouffaient la planète, ce qui n'est pas totalement faux, et se font désormais un devoir d'éradiquer tout ce qui ressemble à un humain. Alors je vous rappelle qu'on est en pré-version, donc ça explique pas mal de petites choses par rapport au jeu. Perso, je dois avouer que j'aime pas trop son rendu, j'espère que ça va être beaucoup amélioré parce que c'est très quelconque. Maintenant, on va voir si c'est compensé par un gameplay à la hauteur. On va chercher des médocs. Et bien entendu, mon clavier n'est pas mappé comme il faut. Un petit break. Oui, on a toujours besoin d'un câble quand on a envie d'alimenter le peu d'appareils qui nous reste. Ben voilà ce qu'on cherchait, j'imagine.
Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas les voix encore, parce que ça. C'est un jeu qui mérite d'avoir de l'ambiance. Et du coup, c'est pas top pour l'immersion. Lourd. Oui, il pense à quelque chose qui pourrait servir de levier. Et pense vite, ce serait bien. Ah. Petit pas, petit pas, petit pas. Alors, qu'est-ce qui pourrait me servir de levier? Ça, c'est verrouillé. Ça, c'est verrouillé aussi, sûrement. Oui, comme c'est écrit locked, en général, il n'y a pas trop de surprises. Ça, c'est pas verrouillé. Oui, mais ma théorie sur les toilettes dans les jeux vidéo, tu ne la feras pas avancer si tu ne participes pas. Donc, non, ouvre-moi cette porte de WC. Je veux voir s'ils sont fonctionnels. Oui, je vous invite à voir les autres streams. Vous allez bien délirer. Un levier, un levier, un levier, un levier. Je peux pas passer ici tant que j'ai pas trouvé ce qu'il fallait faire de l'autre côté, ok. Levier, un balai, n'importe quoi. Peut-être qu'avec cette carte, je vais pouvoir ouvrir l'accès qui m'est pas autorisé pour l'instant. On va voir ça. Ah, je trouve ma touche d'inventaire, ce serait vachement bien. Je ramasse, je grappille, je récupère.
Mais je me tape un bug du jeu. Qu'est-ce que quoi? Oui, on va jouer à la Xbox. Ah bah c'est une Xbox les amis, dites-moi pas autre chose. Avec son disque dur externe. On va s'installer, hein, on sera mieux. Est-ce qu'il y a un autre truc que je peux faire là? Non. On va vraiment s'installer. Ça me dit pas quoi faire après. Je vais régler le contraste et la luminosité, je voudrais pas me brûler mes petits yeux. Spam, spam, spam. Préversion, préversion, je rappelle. Et voilà un entrepôt qui va m'être ouvert. Mouah. Alors c'est dommage qu'ils montent beaucoup beaucoup de l'ambiance son. Peut-être qu'ils ont sorti cette démo un petit peu tôt. Parce que ça rend pas hommage au jeu. Et du coup, on affronte beaucoup le vide avec évidence. Alors, il y a un autre détail qui a dû vous choquer aussi, sûrement, c'est les postures des personnages qui sont super raides, quoi. Ça aussi, ça va évoluer, j'imagine. Mais pour un démarrage et une démo, c'est un peu triste quand même. Qu'est-ce que c'est que c'est? Je peux pas avoir un super shout à la Iron Man un peu. Ce serait bien. On va aller voir au fond hein, ce qui se passe. Des boutons à tripoter? Non. Si. Ok, il va falloir que je remette le jus. Je crois que maintenant on est très fixé et qu'il va nous falloir trois batteries. Il en faudra 3. Et je pense que c'est là-dedans ce qui nous intéresse. Je pense beaucoup aujourd'hui. Mais il faut 3 batteries, mon ami. Comme disait l'autre, dommage, Elion. Je crois pas qu'il y ait grand chose d'intéressant par là, on va faire la pièce suivante. En espérant trouver ces deux dernières batteries.
Et donc, il nous en manque plus qu'une. Bon, il y a moyen que ça s'ouvre peut-être, ça, plus tard. Allez, ça va. Pas vu ça. Ah oui, je l'ai pas pris. Oui, ça a pas l'air super important, un bouquin sur les bagnoles. Surtout que dans cette période-là, je pense que le papier doit devenir une chose. Enfin, c'est une chose qui a dû devenir très rare. Il me manque une petite batterie, les amis. Vous croyez qu'elle est au milieu? Je peux la prendre sur ce robot. Je pourrais le désassembler. Un robot médicaire. Rien de ce côté, rien de l'autre. Ennui, courroux, désespoir. Je vais installer ma batterie déjà, je serai content. Let's power this stuff. Et de dose. Alors, je peux peut-être récupérer la batterie sur l'ordinateur de l'autre côté, allez savoir. C'est une chose, hein. Little Kenayux. Oh, c'est ouvert maintenant. Bien. Ça se prend. Faudrait que je coupe ça fait du bruit pour rien. Oui, je vous rappelle qu'on est là pour être discret. Hein. Une petite batterie, sérieux, sois pas méchant. Eh bon, on va aller voir maintenant ce qui se passe dans ce frigo, dans cette armoire réfrigérée de pharmacie. Ça va pas être bon pour mon matricule, ça. Alors c'est vraiment dommage que sur cette preview, il manque vraiment toute la partie son. Parce que c'est important quand même pour l'immersion, mais surtout si on doit être discret. Le moindre bruit doit être inquiétant. Alors je réitère hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette démo est peut-être sortie un peu tôt. Juste.
J'ai pas vu. Il voulait que j'appuie sur Q. Alors, vu que mon clavier est remappé, je sais pas trop sur quelle lettre ça va être. Ça va être moche. Oui, re. Sérieux? Alors, monsieur K, es-tu boudeur parce que t'aimes pas trop les jeux à base de Quick Time Events? C'est pas faux. Je vais foncer tout de suite, hein, je vais pas chercher à piger. Le problème, c'est que ça change d'angle, sans trop prévenir, donc. Ce fut laborieux, mais vraiment très laborieux. Alors, je vous épargnais grâce au saint montage. Le nombre de fois où il a fallu recommencer cette séquence Quick Time Event, c'était juste déplorable. Est-ce que je vais enfin pouvoir accéder à mes... Ok, on va essayer de bouger ces étagères pour accéder à ce qu'on nous a demandé de récupérer. Mais je dois avouer que je suis pas convaincu par ce jeu, quoi. Alors ça plaira peut-être au casu, mais franchement, it doesn't work. Quel échec. C'est lent, c'est inutilement lent. On n'est pas obligé de changer de plan pour appuyer en enchaînant sur les boutons. Et ça se passerait beaucoup mieux, je pense à tous ces utilisateurs qui vont commencer à avoir envie de jeter la souris en se disant mais putain ce jeu se fout de moi quoi. Je pense qu'on est bon et je suis très très heureux de me barrer de cette pièce. Mon niveau d'enjaillement, il est nul. Je vais aller aux toilettes. Puis tant que je veux y aller. Non, parce que ce jeu m'a fait vraiment. Je pourrais pas supporter soupirer plus fort, quoi. Oh. Machin. Mais je l'ai pas récupéré le truc. Sérieux les gars. Flinguez-moi ce jeu. Il n'y a plus rien d'intéressant ici. Alors, qu'est-ce que j'avais qui m'était pas accessible et que j'aurais probablement oublié de tripoter? Franchement, au lieu qu'elle fasse un petit jogging, une touche pour qu'elle court sérieusement, ça aussi, ça aurait été bien. Enfin. Parce que, entre les choses à refaire, les déplacements qui sont. Alors, vous me direz, Monsieur K, tu n'es pas tendre avec ce jeu. Non? Mais. Dites-moi qu'il a des arguments pour être représentatif d'un jeu moderne. On est en 2020, les mecs. Ce jeu-là, c'est en 90 qu'il fallait qu'il sorte. Non, j'exagère. C'est en 2010. En 2010, il aurait été dans son époque. Mais là, aujourd'hui, dans l'état, franchement.
J'allais dire un truc très méchant, mais je vais m'abstenir parce que je voudrais pas que le programmeur l'entende. Mais moi, je bosserai dans l'équipe qui est sur ce projet. Je me serais barré, quoi. Je le dis très franchement. Je peux pas faire un tour de Rubik's en plus, c'est nul. Blablabla, on est reparti pour se faire redire le même dialogue. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui avait trouvé abri ici. Mais du coup, moi je suis encore largué et j'ai pas mes docks et la vie est cruelle. Et c'est quoi ça? Une clé magnétique. Oh purée, d'accord. On va l'utiliser, mais il va falloir trouver. C'est un jeu pour les matheux. Donc vous comprendrez que c'est pas pour moi déjà. 3 x 4, 12. 2 x 4, 8. 2 x 3, 6. 6 et 8. Alors qu'est-ce que ça fait quand j'appuie sur un truc moi? Faut que je comprenne le fonctionnement déjà, c'est tendu. Je peux cliquer n'importe où. Ok. Donc apparemment, il faut que la somme des trucs cliqués fasse ce qui est indiqué dans les cases. D'accord? 13. Putain, le 4 est coincé là, ça me gave. Il me faudra un 4 idéalement, mais c'est un peu loin. 4, 4, 3, faut que je remette mon 5 au milieu. 10, il me faudrait le 1 de ce côté. On n'est pas loin, les gars, on n'est pas loin, on tourne autour. 9 et ça fait 12, il me faut le 2 ici. Oh les amis, la prise de tête. Je vous dis pas combien de temps j'ai passé, j'ai pas regardé le chrono, mais c'était indécent. Totalement indécent sur ce casse-tête fort bien trouvé qui m'a vraiment cassé la tête. Et du coup, j'ai même pas regardé ce que j'ai trouvé. Ok, on va se tirer en aérocar, je crois. Dame de dame, ce jeu ne se présente pas sous ses meilleurs aspects, hein, j'ai l'impression. Gus, viens, on se casse, on va faire un tour en ville. Je vais le laisser là, lui. Il me gonfle. Il y a une linéarité qui n'est pas franchement pour amuser, quoi. Oh, une PlayStation 1. Non, je rigole. Posée comme ça, j'avais cru que c'était un seul appareil. J'allais dire, surtout ne me dis pas ce que tu viens de récupérer, mais vu le nom, c'est un Gravity Jack, tout le monde est d'accord, et on en a toujours besoin. Pourquoi faire? Alors, est-ce qu'on peut ressoulever cette étagère cette fois? On aura tout essayé au moins. Alors la traduction n'a pas aidé, hein. Le Gravity Jack, j'étais pas supposé piger que ça serait le truc pour relever cette étagère. My bad. Attention aux phases action. Se séparer dans un jeu, se séparer dans une aventure de manière globale. Quelle très mauvaise idée. Salut.
Il était limite celui-là. Mais quelle patate. Donc, si vous aimez les jeux de science-fiction, c'est plutôt bien barré. Si vous aimez les jeux avec un petit peu d'infiltration, aventure, teenage, classique, c'est assez bien barré aussi. Maintenant, il va falloir vraiment que vous aimiez les Quick Time Event. Et franchement, c'est dommage, parce que c'est assez raté. Si vous aimez vraiment explorer, je pense que le jeu, lui, va vous imposer une certaine linéarité. Et c'est pareil, c'est un peu gênant en 2020, parce que quand même, on a évolué depuis les années 90. Donc perso, moi j'ai beaucoup de problèmes avec ce The Uncertain, qui n'a pas réussi à toucher mon cœur, qui m'a juste donné envie d'éprouver une certaine méfiance envers ce titre. Rendez-vous quand une démo un petit peu plus évoluée sera disponible, où on espère chaudement que toutes ces parties de gameplay qui s'avèrent chiantes comme la mort, on va le dire clairement, bah, seront arrangées de manière à être souples et coulées dans l'histoire, et que cette fameuse histoire, on arrive à avancer un peu dedans parce qu'il y a moyen de faire un scénario intéressant. Voilà, playlist, playlist, bouton d'abonnement, je m'en vais un peu triste aujourd'hui. Ciao.